Maintenant, vous savez la deuxième. Au bout de la le niveau de la somme, il y a un certain que la c'est la vous avez appelé mon pied, mais vous vous souvenez, vous avez vu que vous avez Aujourd'hui, c'est le jour où nous avons choisi pour déposer la loi qui donne l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Et aussi, cette même loi qui donne certaines restrictions quant à ce qui concerne l'accès aux fonctions régaliennes. Comme président de la République, c'est réservé exclusivement aux Congolais nés de père et de mère. Un député élu pour représenter le peuple, il peut avoir peur de quoi? De qui? Qu'est-ce que la loi? La loi, c'est une expression générale d'un peuple. Vous dites que cette loi fait controverse? On va soumettre ça à la population. Vous parlez des députés qui sont contre, mais nous sommes déjà des 160. Qu'on me donne le téléphone pour voir les groupes que nous avons créés, les députés de père et mère, vous voulez? Ayez vos apaisements. Je sens en vous quelque chose que vous n'avez pas analysé. Soyez très à l'aise. Vous êtes Congolais, ce pays vous appartient. Ceux qui ne sont pas Congolais de père et de mère, ce pays leur appartient aussi. Ils sont Congolais. Comme a dit le docteur Noël Tchani, c'est un pays d'asile. Sentez-vous à l'aise, mais ne peut être que président de la République qu'un Congolais de père et de mère, comme aux États-Unis. D'ailleurs, les États-Unis, d'ailleurs, qui n'est qu'un pays d'immigration. C'est un pays d'immigrés. Mais condition, être né aux États-Unis. Raison pour laquelle Schwarzenegger ne pouvait pas être président de la République. Pardon? Arnaud. Thank you.
c'est le journaliste, je peux passer. S'il vous plaît, libérez-moi. Nous l'avons dit là. Le journaliste sachait que vous n'allez pas accéder là-bas. Pour les raisons de Covid, vous le savez très bien. Vous allez entendre pour l'interview. Ok, ne va pas. Ya bo wana polong la ngana nam bo wana utan direct ya yo bo na fona dino yo polong la ngana nam bo okay sala apun pina bat yes good Lagi ni ada kerjut cuma.
Gracias.
Yeah,
Maman, téléphone, qui t'a téléphone? Maman, téléphone, les voisins ici. Maman, téléphone. Il y a beaucoup de GPO.
Caméra. La loi est une expression générale. Nous avons vu la loi de 1964. La loi de 1964. Nous avons vu la révision rapportée les directeurs des cabinets du maréchal de Mobutu en 1970. Nous avons vu la loi de 1978. Et les Aïrois. À l'époque, ils avaient compris
que l'hospitalité devenait un ami. Raison pour laquelle, 1981, les Haïtiens concluent en disant, comme il y a des élections indépendantes, il peut être candidat président de la République, que ce n'est pas le père de les Haïtiens. Nous n'inventons rien. Face aux réalités vivantes actuellement, nous vous disons que un pays, voilà, tout le monde, je sais moi, le président de la République, il faut être né des mères, des mères congolais. Qu'est-ce que les Congolais retiennent? Les Congolais retiennent que nous, bien même, comme vous le savez, Lumumba, Kassavou, Kimbang, Maloula, Kingotolo et consorts ont milité pour nous léguer l'indépendance. C'est-à-dire, ils ont dit que ces pays ne peuvent être gérés que par vous-même, originaires. Bien même, après deux milliards de lois, nous avons résolu de devenir mort. Que tout Congolais ne prenne pas sa maison. Et que les fonctions du président de la République, ministre de la Défense, chef d'état-major, lieutenant général de la Nair, sont des fonctions, gouverneur des provinces, sont des fonctions réservées aux Congolais. En d'autres termes, pour ceux qui changent la longueur de la vie, on veut expliquer une catégorie. Vous allez les répondre. Qu'est-ce que l'indépendance? Je puisse répondre en posant les questions. Qu'est-ce que l'indépendance? Parce qu'à l'époque belge, où nous étions gérés par des Belges, les pays étaient bien gérés. Très bien gérés même. Avec une voiture VOE. Vous quittez Kinshasa, vous arrivez à Kisangani. Vous quittez Kinshasa, vous arrivez au sud de Kivu jusqu'au centre des centres de recherche. Avec la voiture VOE, vous quittez Kinshasa, vous arrivez à Kikwete, vous traversez Kassai, vous arrivez jusqu'à Lubumbashi, voire atteindre Kasumbalesa avec une voiture. Aujourd'hui, même si on vous donnait le couvre-feu, vous n'arriverez pas. Les pays étaient bien gérés, mais l'indépendance n'est rien d'autre que la gestion de la République par des originaires. C'est-à-dire, cette loi est une erreur. Sentez-vous à l'aise, vous qui êtes congolais, des pères et des mères, parce que la présidence vous appartient. Sentez-vous à l'aise, vous qui êtes congolais, des pères et des mères, parce que rien ne vous est opposé. Et répondez-vous à ceux qui disent que vous êtes instrumentalisé par Félix Sérédo pour exprimer les opportunités de la société. Ce sont des personnes qui ne me connaissent pas. Avant que je sois député, j'avais un document qui m'a servi de battre la campagne. Le nom, c'est la Constitution punitive, connue de tout journaliste sérieux qui m'avait récit. Mais parce que vous faites campagne des médiums, c'est pourquoi vous ne pouvez pas connaître les valeurs. Les valeurs, je suis là. J'avais dit ceci. Ici, lorsqu'on élaborait les règlements intérieurs, dans la Cour suprême du chef de l'État, j'avais dit ici, d'après moi, ma président du Congrès, lorsqu'il n'y aura pas élection dans les délais réglementaires, dans les délais constitutionnels, le président de la République, le premier ministre ou le chef du gouvernement doivent être arrêtés, poursuivis et arrêtés 10 ans d'emprisonnement ferme. Là, j'ai été instrumentalisé par qui? Ensemble, demandez-vous qui signe. Pourquoi il n'a pas été candidat président aux États-Unis? Les exemples sont les autres. Une question. Gracias.
ministère régalien, c'est-à-dire défense, sécurité, affaires étrangères et finances. Le premier ministre lui-même, le président de l'Assemblée nationale, l'administrateur général de l'ANER, l'administrateur général de la PGM. Donc toutes ces fonctions de sécurité, nous estimons que nous les aider forcément. S'assurer que le destin en ce qui concerne la République du Congo, ce destin se trouve dans les mains des gens qui sont 100% loyaux de la République du Congo. Nous avons comme des cas de trahison dans notre pays, il faut que cela dise clairement. Vous vous rappelez tous le cas de James Carey, qui était venu, mon ami chef d'état-major de l'armée nationale congolaise. Il s'est lié avec le chef de l'État, il a pris l'avion, il est parti chez lui, à Rwanda. Il connaissait toute l'organisation militaire du pays, il connaissait tous les secrets militaires. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un avion, rempli donc des militaires rwandais. Ils sont allés tout droit à une cible qu'il connaissait très bien, la base militaire de Kitoi. En très peu de temps, sans résistance de la part de l'armée nationale congolaise, ils sont neutralisés dans le pays. Nous voulons éviter cette infiltration. Imaginez par exemple si on a une GOD, 50%, les 50%, je donne l'exemple de notre pays. Ça peut être le Rwanda, ça peut être l'Ouganda, ça peut être la Chine, le Japon, n'importe quel pays étranger. Et si ce chef d'État est appelé à prendre des décisions graves, évitant la République, mais également touchant les intérêts de notre pays, vous serez partagé. Si les 50%, les 50%, c'est votre pays étranger. Nous voulons éviter ce conflit d'intérêts. Nous assurons que ceux qui vont diriger ce pays sont 100% et exclusivement loyaux à la République. Pour défendre les intérêts du pays, c'est également les intérêts du pays. Ça, c'est le premier aspect du verrouillage des forces de sécurité. Il y a aussi d'autres aspects qui ont un cadre de l'accès. C'est la question de la santé de la France. Jusqu'à présent, disons que la constitution dit que la nationalité congolaise est une et exclusive. Mais nous sommes en train de nous tromper. Pourquoi? Parce que ici à l'Assemblée nationale, dans le gouvernement, elle ne peut pas contre les Congolais qui ont la double nationalité, mais qui ne veulent pas l'admettre. Sortons de cette hypocrisie en reconnaissant que la nationalité congolaise est une et exclusive et que personne d'entre nous congolais ne peut la perdre. On est né congolais, on vit congolais, ou on va mourir congolais, on sera enterré congolais. Par conséquent, si un Congolais part à l'étranger, obtient une nationalité perdue, ce sera fait, ce sont des papiers. Il a pris cette nationalité, mais il a pris cette nationalité et travailler dans ce pays, là où on l'accueille, et gagner de l'argent, de supporter sa famille, et éventuellement de prendre un peu d'épargne à envoyer à la famille de cette nationalité. Donc, nous allons reconnaître que la nationalité congolaise reste entière, et on ne peut pas la préserver. Et les gens qui veulent prendre la nationalité ou la pire nationalité ou qui multiplient une nationalité, ça les concerne, ça ne les concerne pas. Quand cette personne rentre en République démocratique du Congo, débarque à l'aéroport international de Ndjili, il présente le passeport congolais, on reconnaît cette personne simplement comme étant congolaise. Donc ça, c'est le deuxième aspect de la proposition de loi que nous avons faite ici. C'est fini. C'est pas une émission, ça, quand même. Non, papa. C'est une interview, c'est pas une émission. Hey, let's do it.
demandé, pourquoi?